Le commandant militaire du Hezbollah, Mustapha Badreddine, a été tué dans une forte explosion survenue mardi soir près de l'aéroport de Damas, en Syrie. C'est ce qu'indique dans un communiqué le parti chiite libanais soutenu par l'Iran. Badreddine avait été inculpé par le tribunal spécial pour le Liban pour la mort de l'ancien premier ministre Rafik Hariri, assassiné dans un attentat suicide en février 2005 à Beyrouth. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances et les responsables de la mort de Badreddine. Pour le Hezbollah, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une frappe aérienne d'Israël. Pendant des années, le commandant du Hezbollah a été la tête pensante d'opérations militaires menées contre Israël depuis le Liban. Le parti chiite combat aujourd'hui en Syrie aux côtés des troupes de Bachar el-Assad.